Bonjour tout le monde, c'est Eve. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une nouvelle méthode de tirage pour oui ou non à une question particulière. Et cette méthode de tirage, elle est proposée par Anoura dans son tarot, le tarot de la magie verte. Je vous mettrai le lien de la review en bas de la vidéo. Voilà, qui est un très beau tarot qui vient juste d'être édité en français puisqu'il existait en anglais. Je vous le montre un petit peu. Je vous mets cette carte de côté parce que je vais vous aller comprendre pourquoi. Voilà. Alors, le principe est le suivant. On a les 78 cartes, on les mélange et on va faire 3 paquets. 3 paquets de au maximum 13 cartes. C'est-à-dire qu'on va commencer par le premier paquet, on va tirer les cartes. Dès qu'on s'arrête, dès qu'on arrive, c'est-à-dire dès qu'on pioche, on pige un as ou la sorcière, qui est le magicien dans le tarot, que vous voyez ici. On arrête le paquet et on passe au suivant. S'il n'y a pas d'as qui sort ou s'il n'y a pas la sorcière, on va jusqu'à 13 cartes maximum. Et au bout de 13 cartes, on fait le troisième paquet. Enfin, on passe au paquet suivant. Voilà. Si au final, on a minimum 3 as, c'est-à-dire un as dans chaque paquet, la réponse est oui. Si on a la sorcière, donc le magicien, mais vous pouvez vous-même décider d'une autre carte, hein, si c'est pas... Vous pouvez très bien décider que ce soit le magicien d'un autre tarot ou tout simplement prendre une carte qui est significative d'un domaine de la vie qui vous concerne, en tout cas qui concerne la question. Par exemple, si ça concerne le sentimental, peut-être que vous décidez que ça va être la carte l'amoureux, hein, pas le magicien. Si vous avez donc la sorcière ou donc le magicien ou une carte que vous aurez choisie au préalable, plus deux as, la réponse est oui. Maintenant, si vous n'avez que la sorcière et un as ou la sorcière tout seul, la réponse est peut-être. Si vous avez un seul as ou deux, la réponse et peut-être. Et si vous avez ni sorcière, donc ni magicien, ni as, la réponse est non. Et ce qui est intéressant, c'est d'analyser les 3 cartes qui vont se retrouver au-dessus du paquet de chaque tas, les 3 tas, qui vont vous donner des indications complémentaires. Donc on va faire un tirage d'exemple. Donc je remets ma petite sorcière. On va prendre comme question... Est-ce que la personne que je viens de rencontrer va être prédisposée à vivre une histoire sérieuse, une histoire d'amour sérieuse, hein, on va dire ça comme ça. Donc là, on est beaucoup plus dans de la voyance. On peut formuler la question autrement, qui est est-ce que cet homme ou cette femme est bon pour moi? C'est-à-dire, est-ce que cette relation va être bénéfique pour moi au niveau émotionnel, au niveau plénitude, épanouissement? On va plutôt le faire comme ça. Est-ce que ça va être... Cette relation est bien pour moi. Donc vous mélangez vos cartes. Vous coupez si vous avez l'habitude de couper. Vous faites exactement comme vous avez l'habitude de faire normalement. Donc soit vous étalez les cartes et vous les piochez une à une. Soit vous décidez, mais ça il faut le décider en amont, c'est-à-dire avant de faire le tirage, de prendre les cartes qui se présentent une à une au-dessus du paquet. Moi c'est ce que je vais faire. Donc voilà. Donc premier tas. Une carte. Est-ce que c'est assez net pour vous? Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je n'ai ni d'as ni la sorcière, du coup je passe ces 13 cartes maximum au deuxième paquet. 1, 2, 3, ah, j'ai un as, donc je passe à l'autre paquet, le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je n'ai ni d'as ni la sorcière. Donc comme j'ai quand même la présence d'un as, c'est peut-être. Alors maintenant, on va essayer de comprendre le pourquoi du peut-être. Donc j'ai le chariot, hein, le char de guerre, l'as de couple, l'as de calice ici, et le roi de haut qui est l'ermite. Et là, vous laissez cours totalement à votre intuition. L'interprétation que je vais faire moi n'est pas nécessairement l'interprétation que vous en ferez. Il faut lier ça à votre vie, à votre personnalité, à ce que vous vivez actuellement. En l'occurrence, je vois qu'il y a des préoccupations qui sont beaucoup plus de l'ordre du professionnel avec le chariot, mais également du fait qu'il y a cette volonté peut-être un petit peu trop insistante de vouloir peut-être aller vite dans cette relation, d'aller trop vite. Alors les sentiments sont bien là, il y a bien, en plus c'est l'as de calice, donc c'est bien les sentiments, mais en tout cas le chariot vient contraster avec l'ermite qui lui aime prendre le temps, a besoin de laisser mûrir les sentiments, les émotions, et a besoin d'être seul, de pouvoir savoir quel est le désir et quelle est l'envie par rapport à cette relation là. Donc voilà, donc le contraste il est là, c'est que d'un côté on va aller très très vite, on a le chariot, on veut prendre les choses en main, on veut maîtriser la situation, mais de l'autre côté on a un homme qui lui a besoin d'être seul, de réfléchir, de prendre le temps, de laisser faire en sorte que les sentiments soient sérieux et profonds, et donc d'aller trop vite est peut-être une mauvaise chose. Donc le peut-être vient peut-être de là, alors peut-être que c'est la personne que vous avez rencontrée, ou vous-même, ça c'est que vous qui pouvez le savoir, de vous interroger sur est-ce que j'essaye pas d'aller un petit peu trop vite, je veux absolument vivre une histoire d'amour formidable. Je sais, bon ok, il y a quelque chose qui est naissant, il y a en effet l'as de coupe, hein, il y a quelque chose qui peut être très profond, vraiment qui peut être sérieux, qui peut être impliquant, mais est-ce qu'à un moment donné je ne dois pas un petit peu me mettre en retrait par rapport à cette relation là, et puis savoir si vraiment ce que va m'apporter cette relation là est bonne pour moi et bénéfique par rapport à ce que j'ai déjà vécu, par rapport au type de personne que je rencontre, par rapport à mes attentes dans une relation de couple. Donc voilà, donc le petit bémol est là, ça peut être également la personne que vous avez rencontrée qui a besoin pour le moment de se concentrer sur son domaine professionnel, ses ambitions, ou alors qu'il veut aller trop vite, vous, c'est pas du tout le cas. Donc il y a une sorte de paradoxe entre finalement notre réelle envie et notre réel besoin. Voilà, donc avec cette nécessité de faire la lumière justement sur cette partie un petit peu floue de nos attentes et de nos envies, et peut-être y aller un peu plus doucement et peut-être pas poser la question tout de suite, mais de laisser faire les choses. Donc voilà pour cet exemple et ce tirage que je trouve très très intéressant, je voulais vous partager. Et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.